L'idée en arrière du défi, c'est que les gars chez Genetic Sport m'ont demandé quelle était la meilleure trail de fat bike à Québec. Fait que pour déterminer ça, je me suis dit que j'allais faire toute la même journée. Des trails à E47 en fat bike, linker ça jusqu'au sentier du Moulin, faire 100% du réseau là-bas aussi. Le fat bike, c'est vraiment dépendant des conditions, là. Fait qu'il y a une fenêtre vraiment courte d'opportunité où est-ce que tu peux avoir des bonnes conditions pour réussir un défi aussi long que ça. Là, on vient de terminer Lac de l'Âge. 48,5 km de single track. Puis là, je vais essayer de transférer vers le lac Beauport. En passant par les trails de Skidoo. Pour relier les deux centres, là, j'ai trouvé un petit sentier là, qui passe dans une trail d'hydro. Ensuite de ça, ça va transférer dans des trails de Skidoo pour transférer un autre mini-centre de fat bike, puis finalement se rendre jusqu'au sentier du Moulin. Je suis ramassé au sentier du Moulin. Là que j'ai eu ma première baisse d'énergie, malgré que les conditions étaient vraiment bonnes, c'est quand même difficile de faire ce réseau-là avec plus de 70 km dans les pattes. La misère à déterminer quelle est la meilleure trail parce qu'on a tellement un beau réseau au nord de Québec. Il y a un choix incroyable, puis je pense que juste de toutes les faire dans une journée, c'est ça qui rend la chose incroyable.